Vous restez jusqu'à quand? Il prévoit beau temps toute la semaine. Ça va te faire du bien de te reposer, de te baigner un peu. Je sais pas, je vais voir. Je crois que je vais rester un peu, j'ai pas envie de rentrer. Tiens, à propos, t'as des nouvelles pour ton boulot? T'avais l'air plutôt confiant. Ouais, on verra. Je dois retourner voir le type la semaine prochaine. Mais y a beaucoup trop de gens là-dedans. Je vais pas me sentir à l'aise. Bah, laisse faire, tu verras. De toute façon, y a une période d'essai, pour toi comme pour eux. Pourquoi tu dis qu'il y a trop de gens? C'est un peu normal, tu vas pas bosser tout seul. C'est quoi déjà ton truc? C'est pour être mécano dans un gros garage. Ils sont 6 déjà, il y a beaucoup de bruit. Oui, non, bah attends, tu peux pas rester comme ça sans rien faire. Hein, tu vas tourner en rond, c'est pas bon ça. Ça fait 6 mois déjà. Non, mais ça va, il y a pas le feu. T'as toujours tes acédiques? Ouais. Mais t'inquiète pas, tu vas trouver. Même si là ça marche pas, tu vas trouver. Peut-être dans un endroit plus calme. Je sais pas moi, peut-être dans l'administration. Oui, bah voilà, mamie a raison. Mais vous avez accès au concours des collectivités. Tu dois vraiment recommencer à travailler? Ça va être débat. Non, pas vraiment, non. Non, bah attends, c'est une piste. Il faut rien exclure. T'as pas ce luxe. Ouais, on verra. Bon, moi je vais faire la sieste, moi. Bah, tu veux pas qu'on aille se balader tous les deux? Non, j'ai pas envie, ça me gaffe. Ouais, à tout à l'heure. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Faudra du temps. Oui, mais on est là, hein? Je vais me baigner. À cette heure-ci, il n'y a pas encore trop de monde. Théo est levé? Je sais pas, je l'ai pas encore vu. Ben, je lui dirai que t'es à la plage. Tu t'installes dans ton coin, comme d'habitude? Oui, tu vois où c'est? Bon, bah, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Et tu viens pas, toi? J'irai cet après-midi avec tes parents. Mieux, moi. Ils montent plus dans les tours comme ils faisaient avant. Oui, ça va mieux. Ouais. Il fait encore pas mal de cauchemars. Pourtant, avec ta mère, on est persuadé qu'il prend bien ses médicaments, mais tu sais, les médecins nous ont dit que ce serait long. Tu sais quoi? Parfois, je reconnais plus mon frère. Il a l'œil vide et il a tendance à teaser de plus en plus en ce moment, tu trouves pas? Non. Enfin, tu sais, quand il est avec nous, quand on est en famille, il fait gaffe. Enfin, cela dit, il a dit à ta mère qu'il avait du mal à décrocher du shit, de plus en plus. Ça serait même de pire en pire. Alors ça, c'est chiant, ça. Alors, ça l'isole de plus en plus. Et tu sais exactement ce qui s'est passé, toi? Il t'a raconté?
Ça a dû être un truc de dingue pour qu'il soit traumatisé comme ça. Non, non, il m'a pas trop dit. Non. Tu sais, tous les mecs qui reviennent du Mali, d'Afghanistan, ils sont pas très bavards. Tout ce que je sais, c'est qu'ils étaient dans un village. Il conduisait son super engin, là, son super truc. Et puis tout à coup, ça s'est mis à canarder de tous les côtés. Et il y a une balle qui a traversé le pare-brise et qui a tué son meilleur pote en pleine tête. Ouais. Et en fait, ce qui revit plus, c'est le bruit de la balle qui siffle avant de tuer son pote. C'est le sifflement, voilà, c'est ça. Enfin, il le savait quand il s'est engagé. Ouais, bah, écoute, t'as beau le savoir. Tu sais, tous les mecs qui sont là-bas, ils sont traumatisés à vie. Hein. Ah, je le sais bien, le médecin à Percy, il me l'a dit. Percy, c'est l'hôpital où il y a tous les militaires. SSPT. Syndrome de stress post-traumatique. Je peux te dire que je suis pas prêt de l'oublier. Et ça part pas du jour au lendemain, ces trucs-là. Bon, alors pour l'instant, bah, ils essayent un truc avec les psys, la méditation. Il paraît que ça marche bien. Les médecins américains ont même créé des séances de méditation pour les vétérans d'Irak. Bah, ça fonctionne. Enfin, le tout, c'est qu'il essaye, on verra bien. Puis l'essentiel, c'est que ça diminue sa dose de médicaments. Ouais, on verra. T'as pas chaud? J'irais bien boire un coup, là. Bah voilà, là, je te reconnais bien, là. Elle est bonne, hein? Oui. Mais tu sais pas nager? Non, mais maman dit que je saurai à la fin de l'été. Et c'est pour ça que je m'entraîne. Tu sais mettre la tête sous l'eau? Oui, un peu. Montre. Ouais, c'est dur aussi, hein. Ouais, viens, on va là où t'as papier. Tu veux pas qu'on enlève une bouée, là? Regarde, j'arrive. C'est bien. Bah viens, on va enlever l'autre maintenant. Juste pour voir. Ça rafle. Si, ça va. Bien sûr que ça va. Bah, tu vois que tu arrives pas sans les bouées. Bon, retourne voir ta mère, elle a l'air de te chercher. Ça va, mon chéri? L'eau était bonne? Très bonne, mamie. Je t'aime. Mais moi aussi, mon grand. Tu vas te reposer? Ouais, mamie. Je vais me reposer. Il y a trop de gens, c'est normal. T'as pas ce luxe. Tu te sentais assez vite. Tu peux pas rester comme ça sans rien faire. Colors anymore, I want them to turn black.